un rond-point dans la région de Nancy aux alentours de minuit. Par contre, on va couper les lumières. On va les voir arriver par la droite. Normalement, on devrait être pas mal. Julien est à l'affût. Cet enquêteur de la gendarmerie espère coincer deux trafiquants de drogue qui transporteraient un gros stock d'héroïne. Ces dealers qu'il pourchasse depuis plus d'un mois devraient passer ici vers 3h du matin. On a toutes les équipes qui sont en place. Franchement, ils peuvent pas nous voir. C'est impossible. Impossible. Julien est aux avant-postes. Dès qu'il apercevra la voiture des suspects, un monospace, il préviendra ses collègues. Une trentaine d'hommes postés 5 km plus loin. Pour stopper le convoi, ils sont prêts à utiliser les grands moyens, comme cette herse télescopique. Dès que la herse est mise en place, il faut absolument foncer vers là-bas. Si le mec ne veut pas s'arrêter, il lui jettera sous les roues. Seulement voilà, les minutes défilent et rien ne se passe. Qu'est-ce qu'ils font ? Le jour se lève. Les suspects ont plus de 5 heures de retard. Julien et ses hommes commencent à perdre espoir. Oh là là, c'est insupportable. Mais soudain, le monospace apparaît. Et le piège se referme. C'est bien vu, on est d'accord. Hein. Ouais, véhicule pris en charge. Ouais, on filage le véhicule. Ces interpellations, c'est l'épilogue d'un travail difficile sur les traces d'un réseau de consommateurs et de dealers d'héroïne. Une affaire que nous avons suivie pas à pas au cœur de l'enquête. Les mains sur le volant. Mets ta tête sur le volant aussi. Pas de faux mouvements, les gars, ça se passera bien. Dans les affaires de stup, il y a une drogue qui pose de gros problèmes aux enquêteurs. D'abord, parce qu'elle est très dangereuse. Ensuite, parce qu'elle circule dans un milieu discret, difficile à pénétrer. Cette drogue rend si dépendant que les consommateurs protègent souvent leurs dealers. Pour les forces de l'ordre, obtenir des renseignements devient très compliqué. Cette drogue, c'est l'héroïne. Nous sommes à Nancy, au sein d'une unité de la gendarmerie spécialisée dans les affaires sensibles, la brigade de recherche. Donc il a fait quoi? Il a essayé d'acheter... Il a voulu avoir du liquide avec une fausse pièce d'identité et des fauches à la poste. À la tête du service, Julien, un lieutenant de 31 ans. Son quotidien, agression, homicide et enquête sur les réseaux de stupéfiants. Très bien. Julien l'ignore encore, mais le coup de fil qu'il vient de recevoir va lancer la plus grosse affaire de l'année grâce à un incroyable coup de pouce du destin. Lieutenant, bonjour. Oui, mon lieutenant, Jean-Lambert, brigade de froid. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'on vient de découvrir 3 ou 4 paquets. Hein. D'accord. Ça semble être de la drogue. Plus précisément, on pense à de l'héroïne de par la couleur. D'accord. Grosso modo, on a 2 bons kilos, je pense. D'accord, très bien. 2 kilos d'héroïne, découverts d'un seul coup. L'équivalent de ce que la brigade de recherche saisi en une année entière. Julien, le spécialiste des enquêtes prioritaires, prend immédiatement le dossier en main. D'accord, très bien. Bah écoutez, j'arrive. Hein. D'accord, bientôt. Toutes affaires cessantes, l'enquêteur se rend sur place. Une telle prise pourrait bien le mener sur la piste de délinquants d'ordinaire très difficile à coincer, un réseau de trafiquants d'héroïne. La découverte est quand même sensible, parce que s'il établit que c'est du stupéfiant et notamment de l'héroïne, la valeur marchande est quand même tout de suite importante. Direction Frouard, une petite commune à 10 km de Nancy. Et vous allez voir que cette drogue n'a pas été trouvée lors d'une perquisition chez un dealer, comme c'est le cas en général, mais d'une façon tout à fait inattendue et rocambolesque. On fait un point de 2 minutes.
Voici le gendarme qui a prévenu Julien par téléphone. Sur ça. Dans cette enveloppe, les 2 kilos de drogue. Et voilà comment cette brigade locale a mis la main dessus. Alors, dites-moi tout. Donc, un gars qui fait les lagages devant l'hôtel. D'accord. Donc il nous dit qu'il a retrouvé des cartons bizarres scotchés au pied de l'arbre qu'il était en train d'élaguer. C'est donc un jardinier qui serait tombé par hasard sur la drogue en tondant la pelouse. On y va, il y a 3 pains et demi. En vrai, il y en avait un qui était un peu percé parce qu'il a mis un coup de tronçonneuse, quoi. Et donc, bon, ça ressemble fortement à de l'héroïne. Là, vous avez mis comme ça brut, de façon brute, c'est ça? Ah oui, comme ça a été trouvé, quoi. 2 kilos de stupéfiants, comme tombés du ciel. C'est dans ce terrain vague d'une zone industrielle que le jardinier les a découverts. Le genre de choses qui n'arrivent jamais. Alors Julien, incollable en matière de stupéfiants, veut s'assurer qu'il s'agit bien d'héroïne. Avant d'ouvrir le paquet, il prend toutes les précautions pour ne pas brouiller d'éventuelles empreintes. Et à peine a-t-il décacheté l'enveloppe, qu'une forte odeur caractéristique le prend à la gorge. Ça me pique déjà ce produit de merde là. À l'intérieur, à travers les emballages plastiques, il découvre 4 pains brunâtres de différentes tailles. Cette couleur, cette odeur, Julien les connaît bien. Donc à première vue, on peut penser que c'est de l'héroïne. À vue d'œil comme ça, pourrait correspondre à peut-être 2 kilos. Ça peut aller à peu près, c'est de l'héroïne de 10 à 40 euros le gramme. Donc si on part sur 2 kilos, on va dire que la valeur marchande peut potentiellement aller de 20 000 euros à 80 000 euros. Alors à qui peut bien appartenir toute cette drogue? Julien le sait, avec une telle quantité, il ne peut s'agir que d'un réseau. Mais pour l'instant, il doit résoudre cette énigme. Comment l'héroïne s'est-elle retrouvée sur ce terrain vague? Le jardinier qui l'a découverte est venu faire sa déposition. Julien va écouter très attentivement sa version. L'homme débroussaillait la zone lorsque sa tondeuse a buté sur un sac. Donc c'était vraiment bien bien dissimulé pour vous? C'était bien caché C'était sous l'herbe. C'était posé bien droit, C'était bien aligné. Bien aligné, d'accord. Ah oui, c'était bien rangé par terre. D'accord. À un côté de l'autre, de toute façon. D'accord. Le jardinier a immédiatement prévenu les gendarmes. Mais quelques minutes plus tard, un jeune homme aurait surgi de nulle part et se serait montré très agressif. Voilà, c'est ça. Le jeune, il est arrivé et puis il m'a posé des questions. Mais moi, j'ai dit, je ne lui réponds pas. Et c'est là que j'ai vu que c'était quelqu'un qui était intéressé à la chose, quoi. Ouais. Je pense qu'il ne pensait pas que j'allais peut-être trouver cette merde-là. Ouais. Et puis, il pensait que j'allais repartir. Et puis, ouais, il allait ramasser son truc quoi. Le jardinier n'est pas le seul à avoir trouvé suspect le comportement de ce jeune homme. Ok, merci, monsieur. Les gendarmes, eux aussi, se sont immédiatement demandé s'il ne venait pas récupérer cette drogue. Dans un autre bureau de la gendarmerie, il vient d'être placé en garde à vue. Tout comme sa petite amie, qui se trouvait elle aussi sur place. Et la première rencontre avec Julien est électrique. Mets dans la place, gros. Mais vous verrez. Mais mets dans la place, alors, gros. Oh, on se vous voit, ok? Je m'en fous, il n'y a pas, je vous vois. D'accord, reste tranquille. Oh, il n'y a pas eu de problème là. Attends, laisse-moi parler. Bon, allez, je parle pas que toi. Allez. Non, dans ton coin, je parle pas que toi. Non, je parle pas que toi. Je parle pas que toi. Mais attends. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Voilà, on va faire comme ça. Je me réveille, je vous explique, je me suis réveillé. On va voir. On va l'expliquer. Calmez-vous, on va l'expliquer. On va noter, on va l'expliquer. On est calme. On va voir. On va voir. Moi, à la base, je me fais voler mon sac et à la fin, je m'en trouve bien vu. On essaie de me coller 1 kilo d'héroïne sur le dos. Mais c'est un truc de fou quand même. Le suspect raconte qu'il a passé la nuit avec sa compagne dans cet hôtel situé juste à côté du lieu de la découverte. À son réveil, il aurait constaté que son sac de voyage avait disparu. C'est uniquement pour cette raison qu'il aurait questionné les gendarmes. Ça va péter, si je suis dans mon dépôt, ça pète. Hein. Non. Mais c'est un truc de fou quand même. Moi, je prends en compte la situation. Maintenant, on va essayer de voir exactement pourquoi est-ce que vous êtes là. Julien a bien l'intention de vérifier la version du suspect. Mais avant cela, dans ce genre de cas, les gendarmes veulent savoir à qui ils ont affaire. Pour ça, ils consultent le TAJ,
le traitement des antécédents judiciaires qui recense toutes les personnes mises en cause par le passé. Et l'enquêteur va découvrir que le jeune homme n'est pas n'importe qui. Alors là, j'ai... Ah, il est connu pour de nombreux vols. Vol, recel, port d'armes, vol à main armée. Le suspect est un habitué de la garde à vue et il vient de faire 5 ans de prison. Selon son dossier, il vit dans la région. Alors que faisait-il la nuit dernière dans cet hôtel? Dans ses antécédents judiciaires, une ligne intéresse particulièrement Julien. Alors, donc, acquisition de stupéfiants. Alors, acquisition de stupéfiants. Pour l'instant, je connais pas la matière. Donc, je ne sais pas s'il a acquis du cannabis, de l'héroïne ou autre chose. La piste semble en tout cas sérieuse. Comme disent les gendarmes, le profil correspond. Mais il faut encore prouver le lien entre ce couple et les paquets de drogue retrouvés devant l'hôtel. Pour ça, un seul moyen, se rendre sur place. Les gendarmes emmènent avec eux la compagne du suspect. Elle possède une voiture encore garée devant l'hôtel. Les gendarmes veulent la fouiller et comme le prévoit la loi, ils doivent le faire en sa présence. Bonjour. Bonjour. Pas trop envie de dire bonjour. Bah nous, on est polis. Ça s'appelle la politesse, c'est tout. La jeune femme, elle aussi, est furieuse. Mais si Julien découvre des traces d'héroïne dans sa voiture ou dans la chambre d'hôtel que le couple occupait, il a une chance de résoudre rapidement cette affaire. Car pour l'heure, il n'a que des soupçons. On n'a rien contre eux pour l'instant. Il y a eu une forte suspicion de l'individu masculin qui est passé tout à l'heure et effectivement qui s'est montré très suspicieux, très insistant. Mais sinon, on n'a pas d'autre élément. Donc on va voir. Direction une zone d'activité à la sortie de la ville. L'hôtel se trouve au bout de cette impasse. La drogue a été découverte tout près de ce parking. Ça a été trouvé là. Ici, au milieu de ces hautes herbes et au pied d'un arbuste que le jardinier était venu couper. L'endroit est situé au bord de l'autoroute. Par le passé, les gendarmes ont déjà vu des trafiquants qui, se sentant surveillés, se sont débarrassés de leurs marchandises en la jetant par la fenêtre de leur voiture. Mais cette fois, l'hypothèse ne tient pas. Apparemment, c'était bien posé sous l'arbre. C'est pas comme si c'était dans l'arbre. Il a dit que c'était par terre, ouais, au pied de l'arbre. Jeté, quoi. Non, ça n'a pas été jeté, non. Les pains d'héroïne étaient alignés au pied de l'arbuste. Quelqu'un les a, semble-t-il, déposés là. Pourquoi ? Julien est perplexe. À seulement quelques mètres de là, ce petit bosquet aurait fait une bien meilleure cachette. C'est bizarre comme lieu de planque, on en a à 5 mètres qui est beaucoup mieux, quoi. Ah, est-ce que c'était pour le récupérer très rapidement? Je sais pas. L'enquêteur va donc creuser sa seule piste. Le couple qui dormait à l'hôtel la nuit dernière et dont le comportement paraît suspect. Les gendarmes vont fouiller la voiture de la jeune femme qui est de plus en plus nerveuse. Julien en prend même sérieusement pour son grade. Vous m'emmerdez parce que j'ai rien fait. Vous avez rien fait de ma vie, j'ai jamais mis un pied dans ce On déterminera, vous inquiétez pas. Vous me cassez les couilles que j'ai pas là. Moi je m'en bats la race de toute votre merde que vous avez trouvée. J'ai rien à voir avec ça, j'ai rien à foutre là. La jeune femme proteste énergiquement. Mais si l'héroïne a été transportée dans son véhicule, Bandit, ce chien anti-drogue, va peut-être flairer sa trace. Là, viens. Ici, là. L'animal renifle le moindre recoin de la voiture sous le regard agacé de sa propriétaire. Ils fouillent tout, j'ai rien demandé, j'ai jamais rien fait, ils en ont rien à foutre. Ça me casse les couilles. Mais une demi-heure plus tard, l'animal n'a rien senti de particulier et les gendarmes n'ont rien trouvé. Julien commence à se demander s'il est vraiment sur la bonne piste. Effectivement, pour moi, c'est un peu bizarre que le chien n'ait pas marqué plus que ça dans le véhicule. Pour l'instant, on n'a pas d'élément objectif contre eux, mais il faut qu'on poursuive les investigations. C'est dans l'hôtel, et plus précisément dans la chambre que le couple occupait la nuit dernière, que les gendarmes vont maintenant chercher des traces de drogue.
Il y a juste un cadet en dessous du lit. Il n'y a rien ici. Mais après une rapide perquisition et le passage de bandits, rien non plus à signaler dans la chambre. La jeune femme, qui retrouve enfin son calme, confirme la version de son compagnon. Selon elle, ça n'est pas le sac de drogue que le couple recherchait ce matin, mais leur sac de voyage, disparu pendant la nuit. Nous, on s'est fait voler notre sac. Le sac de mon papa et toutes ses affaires. Pendant que vous dormiez ? Oui. Un bagage qui aurait été volé dans cette chambre, dont la porte ne porte pourtant aucune trace d'effraction. Mais après ces perquisitions, les gendarmes n'ont toujours aucun élément pour faire le lien entre le couple et l'héroïne. Bon, là on revient à la brigade, on va faire le point. On va taper les perquisitions, on va procéder aux auditions. Julien n'abandonne pas pour autant, il reste quand même un point à éclaircir. Pourquoi ce couple qui vit dans la région dormait-il à l'hôtel ? Retour à la gendarmerie, pour une audition croisée. Une technique souvent utilisée par les gendarmes. Le jeune homme et sa compagne, chacun dans un bureau. Les enquêteurs vont guetter la moindre nuance dans leurs deux récits. Alors explique-moi comment ça c'est, d'où est-ce que vous êtes parti hier, où est-ce que vous êtes retrouvé. Je suis parti chez mon beau-frère. Alors, hier. On savait pas où dormir, on était à l'hôtel, mais voilà, on s'est pris un truc, puis on a dormi ici. Soit on campe, soit on dort chez des potes et on va à l'hôtel. Vous dormez à droite à gauche, quoi? Ouais. Depuis combien de temps vous dormez à droite à gauche? Depuis vendredi. C'était prévu d'aller à l'hôtel? Non, ça faisait depuis 3 jours qu'on était chez son beau-frère, mais il voulait prendre sa fille pour dormir, donc du coup, c'est moi qui ai réservé l'hôtel à... D'accord. Les versions concordent. Ces jeunes marginaux sont sans domicile fixe. Ils sont hébergés par des proches ou passent d'hôtel en hôtel, en attendant mieux. Leur garde à vue touche à sa fin et Julien n'a aucun élément pour la prolonger. On vous met en liberté pour l'instant, d'accord ? Vas-y. Ok. Donc le camarade là va faire ça, va vous faire signer le document. Voilà. On verra ultérieurement s'il y a besoin de vous revoir. Je pense pas. Ça marche ? En rentrant à Nancy, l'enquêteur se dit qu'il reverra peut-être bientôt ces deux suspects s'ils sont bien les propriétaires de la drogue. Car dans ce genre de cas, les gendarmes ont un allié de poids qui les aide très souvent à éclaircir ces affaires mystérieuses. Le laboratoire scientifique. En examinant une pièce à conviction comme ces pains d'héroïne, ils peuvent recueillir un grand nombre de renseignements et se faire une idée très précise du profil des trafiquants. Les gendarmes de Nancy disposent de leur propre laboratoire. C'est à lui que Julien va maintenant faire appel. Bonjour Major, ça va ? Alors, je vous remets les paquets qu'on a saisis et scellés. Hein ? C'est Claude, technicien en investigation criminelle, qui va tenter de faire parler les pains d'héroïne. Direction le plateau technique, au fond de la caserne, pour une batterie d'analyse. Passé cette porte, le gendarme se transforme en laborantin. Blouse, gants, masque. Pas question de polluer les échantillons ni d'effacer d'éventuelles empreintes. Première opération, déterminer le poids de cette découverte. Donc 503 grammes le premier. 95 grammes, 504. En tout, 1 kg 800 grammes. La plus belle prise de l'année, s'il s'agit bien d'héroïne. Pour le savoir, Claude va maintenant ouvrir ses paquets. Et voilà donc ce qu'ils contiennent. Une poudre brune, si compactée, qu'elle a maintenant la forme d'une brique. Claude va en prélever un échantillon et le plonger dans un révélateur. Si le mélange devient vert, plus aucun doute.
une fraction verte. Donc, forte présomption que ce soit de l'héroïne. Donc là, on ne peut pas dire à quel le degré de pureté, ni, mais bon, il y a de fortes chances que ce soit de l'héroïne brune. De l'héroïne brune, une drogue particulièrement dangereuse et addictive que les toxicomanes consomment par injection. Mais ce qui intéresse Claude en réalité, ce sont les emballages. En les manipulant, les trafiquants y ont peut-être laissé leurs empreintes digitales. Le technicien les sépare des pains de stupéfiants et les suspend dans cette machine qui va déposer dessus un produit chimique, un produit qui révélera les empreintes s'il y en a. Une heure plus tard. On va voir s'il y a des traces exploitables ou non. Le traitement a mis en évidence et marqué en jaune le moindre relief sur ces emballages. Mais pour mieux les voir, Claude va utiliser une lampe à ultraviolet. J'éteins la lumière. Ensuite, il va rechercher chaque trace, ressemblant de près ou de loin à une empreinte digitale. Et très vite. Ici, on voit une petite trace papillaire qu'on va scanner, voir si elle est exploitable. L'empreinte d'un doigt, invisible à l'œil nu, apparaît grâce aux ultraviolets. Sans doute celle d'un trafiquant qui a touché l'emballage. Claude va maintenant chercher à qui appartient ce doigt. Donc là, je fais la mise au point sur mon appareil photo. Pour ça, il photographie la trace et l'affiche sur son ordinateur. Chaque empreinte digitale est unique pour chaque individu. Mais pour pouvoir la comparer au fichier national et espérer trouver une identité, Claude doit y trouver des irrégularités, des endroits où les lignes s'arrêtent, s'entrecroisent, forment des crochets ou des îlots. On appelle ça des points de comparaison. Il en faut 10 pour différencier une empreinte des autres, avec certitude. Problème cette fois, la trace est très dégradée, à peine lisible. Là, visiblement, j'en ai 5, j'en ai 6. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de points de comparaison. C'est une qualité vraiment trop faible, ça ne permettra pas d'identifier. Il faut au minimum 10 points pour envoyer au fichier automatisé. Raté, Claude ne va pas pouvoir comparer cette empreinte au fichier national où toutes les personnes déjà mises en cause sont répertoriées. Et il ne trouvera aucune autre trace en meilleur état. En revanche, il y a encore une piste qu'il va pouvoir creuser. La composition de la drogue, sa carte d'identité. Car toutes les héroïnes ne se ressemblent pas. Selon les trafiquants, elles sont plus ou moins dosées en héroïne pure. Et chaque réseau y ajoute ses propres additifs, comme le paracétamol, d'autres médicaments, de la caféine ou même parfois du sucre. En étudiant cette composition, les gendarmes découvriront si de l'héroïne semblable a déjà été retrouvée sur un trafiquant interpellé par le passé. Ils découvriront peut-être ainsi le propriétaire de ces paquets. C'est un autre laboratoire près de Paris qui se chargera de cette analyse. Donc un échantillon qui partira au laboratoire pour déterminer le produit lui-même et voir si les caractéristiques du produit sont déjà connues. Julien connaîtra les résultats dans quelques heures. Et cette dernière recherche va enfin guider l'enquêteur. Dans ce mail, les conclusions du laboratoire. Aucune drogue de même composition n'est enregistrée dans les archives de la gendarmerie, mais Julien obtient quand même une précieuse indication. On a une teneur en héroïne moyenne de 7%, avec environ 54% de paracétamol et environ 30% de caféine. Donc ça veut dire que le produit là est très très largement coupé. La drogue a été coupée, c'est-à-dire mélangée à d'autres produits beaucoup moins chers que l'héroïne pure.
Pour Julien, c'est un indice précieux, car il connaît bien le fonctionnement des réseaux. Le plus souvent, ils achètent de l'héroïne pure aux Pays-Bas, plaque tournante de la drogue en Europe. De retour à Nancy, ils la coupent très largement et multiplient par 10 la quantité de produits. La drogue étant vendue au gramme, ils augmentent ainsi leur profit. Effectivement, là, au vu de ces résultats, je pense que le produit a été coupé dans la région. Donc c'est du produit qu'on peut trouver à chaque coin de rue. L'héroïne retrouvée près de l'hôtel appartient donc probablement à un grossiste local et non à un trafiquant de passage dans la région. Mais comment le trouver? Lorsqu'ils n'ont pas la moindre piste, les gendarmes ont une technique. Retourner sur la zone de la découverte et la ratisser à la recherche de témoignages ou de vidéos. Autour de l'hôtel où l'héroïne a été retrouvée, Julien a remarqué des dizaines d'entreprises. Il va les contacter une à une. Quelqu'un a peut-être remarqué quelque chose d'anormal. Et cette fois, l'enquêteur a de la chance. Il vient d'apprendre qu'une des entreprises situées près de l'hôtel est équipée de caméras de surveillance. L'une d'entre elles est peut-être orientée sur la zone qui intéresse Julien. Un élément qui peut être intéressant, c'est des vidéos de surveillance qui donnent sur l'hôtel en question. Donc on va essayer de voir si jamais il y a des véhicules un peu suspects qui sont passés là la veille. Retour dans l'impasse. L'entreprise en question est située juste en face de l'hôtel, ici, au fond de l'image. Et ces caméras ont peut-être filmé le trafiquant en train de cacher la drogue. Bonjour, monsieur. C'est la brigade de recherche. Oui. Deux caméras de l'établissement peuvent s'avérer très précieuses. L'une est orientée vers l'hôtel. L'autre filme en permanence la seule route d'accès qui y mène. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Je pense que c'est jouable. À voir. Si ouais. C'est jouable, j'ai pris un disque dur. Ouais, c'est bon. Hop. Disque dur. Julien va copier toutes les images que les caméras ont enregistrées dans les heures qui ont précédé la découverte de la drogue. Là, j'ai toute la plage horaire du 10. Donc de minuit à 23h. Donc là, c'est parfait. J'ai toute la journée. Des heures d'enregistrement que le lieutenant visionnera à la brigade. Et avant de partir, il met le commerçant dans la confidence de son enquête. Le moindre témoignage peut s'avérer très utile. En fait, on a découvert mercredi 22 des paquets près de l'hôtel. Ouais, c'est dans ces environs-là. Hein. Ouais. Le souci, c'est que bon, il y a quand même pas mal de valeurs marchandes. Ah oui. Donc si ça vous parle, si vous entendez parler de choses droite à gauche, ça, vous avez des gens qui parlent. Ah tiens, j'ai vu un véhicule bizarre, ce genre de choses. N'hésitez pas à revenir vers nous, quoi. Ces caméras de surveillance vont-elles faire avancer l'enquête? De retour à la brigade de recherche, sans perdre une seconde, Julien va visionner une journée entière d'enregistrement sur deux caméras, soit 48 heures de vidéo. Pour gagner du temps, comme il sait à quelle heure la drogue a été découverte, il commence ses recherches par ce créneau horaire. Voilà. Là, on voit en fait le gars qui a fait les lagages. Hop, c'est là qu'il a dû découvrir les paquets. Alors, on le voit de loin. Hein. Bon, là, c'est juste un repère. Alors, c'est très, très flou. L'image est floue et les détails difficilement lisibles. Cette première caméra présente aussi un inconvénient de taille. Une partie du terrain vague qui intéresse Julien est masquée par plusieurs bâtiments. Cette caméra en l'état n'est pas exploitable. D'accord ? La caméra qui pourrait éventuellement être exploitable, c'est l'autre caméra pour voir les entrées et sorties de véhicules et éventuellement identifier une marque, un type de véhicule. En effet, avec la deuxième caméra, Julien aura peut-être plus de chance. Elle filme en permanence l'unique chemin d'accès à l'hôtel. Ça, c'est les gendarmes qui arrivent. Encore une fois, l'enquêteur remonte en arrière de 24 heures en espérant découvrir le trafiquant. Il est peut-être venu discrètement en pleine nuit. Caméra numéro 4, 2h du matin.
Donc effectivement, si on constate la présence d'une voiture maintenant, ça peut paraître suspect. Voilà. Et justement, cette nuit-là... Ok, on a un véhicule qui arrive à 4h41. Je note. Bon. Véhicule genre utilitaire. D'accord. On va regarder combien de temps il reste dans la zone. Oula. Il reste 2 minutes. Il reste pas longtemps quand même. Hein. Bizarre ça. Hein. Ah, le véhicule arrive. Une camionnette blanche qui passe à 4h40 du matin se gare sur le parking et repart aussitôt. La piste mériterait d'être creusée, mais malheureusement... C'est quand même très difficilement lisible. Je veux dire, on voit pas grand-chose. Il y a un éclairage qui est trop présent. On ne peut pas identifier de plaque. On est beaucoup trop loin. Puis voilà. Julien est donc toujours au point mort. Ni les auditions, ni les analyses scientifiques, ni l'enquête de voisinage n'ont fait avancer son affaire. Alors il va sortir une carte que tous les enquêteurs ont dans leur manche. Son réseau d'indique. Lorsqu'il coince des consommateurs de drogue, les gendarmes tentent de garder le contact avec eux et de s'en servir comme informateur. Dans le petit monde des toxicomanes, la disparition de 2 kilos d'héroïne n'est sans doute pas passée inaperçue. Pour la suite de l'enquête, Julien va avoir besoin de renforts. Alors il mobilise ses collègues de la brigade de recherche avec un seul mot d'ordre, tous à vos téléphones. Bon les gars, je vous demande à tous de faire marcher vos contacts, vos indiques, d'accord? Il y a forcément une fuite, il y a forcément des gens qui ont entendu parler de ça. Ok? Vous cherchez et puis vous me tenez au jus. Ça marche? Ok. Le lieutenant compte avant tout sur les plus anciens de la brigade. Car mettre en confiance un toxicomane au point d'en faire un informateur prend beaucoup de temps. Chaque enquêteur, comme Pascal, s'isole pour passer ses appels, très confidentiels. Allô ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Ah, impeccable. Au bout du fil, un consommateur d'héroïne que Pascal a interpellé par le passé. D'Ivoire, tu vas rigoler, on a trouvé 1,8 kg d'héroïne à Bonadorich, auprès de l'hôtel. Non ! Si ! Hey, tu te rends compte ? 1,8 kg. Putain, la vache ! Hey, tu serais heureux avec ça ! Non ! Laisse tomber, toi ! Ouais. C'est la grosse prise ! Bah ouais, donc le souci, c'est que... Est-ce que t'as entendu quelque chose, toi ? Quelqu'un qui aurait, qui serait fait voler ou qui aurait perdu 1,8 kg ? Parce qu'on trouve pas 1,8 kg d'héros comme ça. Oui, c'était caché près d'un hôtel, et on a trouvé 1,8 kg. Alors, est-ce que toi, t'as entendu quelqu'un qui aurait perdu 1,8 kg d'héroïne ? Ouais, non. Tu te rends compte, c'est pas tous les jours, ça. Et vous avez trouvé ça où, dans un champ ? Non, 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 près d'un hôtel, caché, donc... Non, le délire. Ouais. Et t'as rien entendu, toi ? T'as entendu personne qui a perdu de la marchandise ou qui s'est fait tirer de la marchandise ? Non, par contre, je peux poser... L'indique n'a pas entendu parler de la découverte des gendarmes. Mais dans les stupes, les enquêteurs le savent, les filières sont spécialisées par type de drogue. Cocaïne, ecstasy, herbe ou cannabis. Alors Pascal va tenter de savoir qui tient l'héroïne dans ce secteur de Nancy. Et sinon, au niveau stup, t'as quelque chose pour moi ou quoi là ? Non ? Non. Si t'entends quelque chose, tu me tiens au courant ? Et je te tiens au courant au début de semaine prochaine. Ouais. Allez, ciao, salut. Merci, salut. Des indiques, la brigade de recherche va en contacter des dizaines. Une technique souvent payante. Dans le cadre des dossiers de stup, les informateurs, c'est des gens qui connaissent le système, c'est des gens bien souvent du milieu, c'est des gens qui ont déjà été interpellés. Forcément, ils traînent dans le milieu, ils entendent des bruits, ce sont des gens bien souvent du quartier, ils sont au courant de tout. Donc forcément, ça fait dans tous les cas progresser nos investigations. Et en effet, moins d'une heure plus tard, la méthode porte ses fruits. Un informateur vient de livrer une piste. Qui me communique l'identité deux individus qui revendent de l'héroïne à... Deux trafiquants d'héroïne seraient très actifs en ce moment dans la région. Ont-ils quelque chose à voir avec les 2 kilos de drogue tombés du ciel ? J'ai
Et en dehors, alors, ouais. Ouais. Et toi, j'ai pas vérifié encore. Hein. C'est vraiment, c'est du renseignement. Il y a deux minutes. Ouais. Donc, alors, les deux revendraient donc de l'héros. On a vécu la Renault Espace, alors couleur bleu gris. Le renseignement est particulièrement précis. Deux noms, deux adresses et un modèle de véhicule. Ces deux dealers présumés ne sont peut-être pas les propriétaires des 2 kilos de drogue, mais s'ils font partie du petit monde des trafiquants d'héroïne, ils sont forcément au courant de quelque chose. Bon, c'est intéressant, on n'a pas de renseignement pour l'instant alors, sur les 2 kilos. Tout le monde trouve bizarre de laisser 2 kilos d'héroïne dans la nature. Hein. Voilà maintenant. Bon, parfait. Merci Pascal. Mais les informations d'un indice ne constituent pas une preuve. Julien va devoir démontrer que ces deux hommes sont bien impliqués dans un trafic d'héroïne. Encore une fois, son premier réflexe, interroger le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Et il va découvrir que les suspects ont déjà un joli palmarès. Effectivement, j'ai des réponses. Le plus âgé d'entre eux, un homme d'une quarantaine d'années sans profession connue, a fait de nombreux passages en garde à vue. Qu'est-ce que j'ai connu pour des vols et du stup. Donc ça, c'est intéressant. Acquisition de stupéfiants, mais pas seulement. Le suspect a aussi été interpellé pour port d'armes illégales. Connu, stup. Le deuxième suspect, lui, est plus jeune, une trentaine d'années. Lui aussi est déjà passé en garde à vue pour acquisition de stupéfiants. Et manifestement, les deux hommes se connaissent bien. Donc là, c'est intéressant, les deux ont déjà été interpellés ensemble dans le cadre d'un trafic. Deux dealers présumés, déjà mis en cause dans une affaire de drogue et qui auraient repris du service. Dans ce genre de cas, les gendarmes s'intéressent en priorité au plus aguerri, le plus âgé, connu pour port d'armes, et peut-être le leader. On peut penser que c'est lui qui dirige, entre guillemets, le réseau. Donc on va aller faire un tour sur place et puis voir s'il y a du mouvement, voir si l'intéressé habite toujours sur place. L'adresse de cet homme au lourd passé judiciaire a été communiquée par l'indic. Dans ses affaires de stup, ces petites visites au domicile s'avèrent souvent très riches en enseignements pour les gendarmes. S'ils surprennent des allées et venues nombreuses chez le suspect, des rendez-vous de courte durée, ils peuvent soupçonner des transactions de drogue. Si, y a pas mal de passages, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir, des gens peu fréquentables, ou je sais pas, il y a beaucoup de véhicules qui viennent se stationner devant la résidence, et donc pour nous, tous les renseignements sont bons à prendre. Nous suivons ce repérage des lieux en caméra cachée pour ne pas gêner l'enquête. Comme ça, je l'ai mis sur ma caméra. Tu l'as mis sur ta caméra ? Tiens. Et sur place, surprise, Julien et Pascal découvrent une jolie petite résidence, flambant neuve, et même équipée d'une jolie piscine. Comment ce suspect au chômage peut-il s'offrir ce genre de logement ? À l'entrée, les gendarmes croisent par hasard l'un de ses voisins qui va leur livrer des informations intéressantes. En fait, on a un renseignement sur un gars qui habiterait ici et qui pourrait être impliqué dans les stupéfiants. Ne dites pas, monsieur, non ? Si. Alors, bah... Oui. Tout à fait. Avant même de voir la photo, le voisin avait deviné le nom du locataire suspecté. Il faut dire qu'il s'est déjà fait remarquer. Elle a été interpellée deux fois déjà par la brigade des stupes et depuis... La police est déjà venue le chercher et ce voisin a constaté des dizaines d'allées et venues dans son appartement. Il a été coupé récemment. Vous voyez ici, il y en avait 30 par jour. Alors, il y a deux accès à l'arrière où ils ont coupé le grillage. Donc soit ils passent par la déchetterie, soit ils passent par ces accès-là. Au début, ils venaient tous là, par le vent. Mais moi, comme j'ai intervenu à plusieurs reprises, j'ai été gueulé chez lui. Après, je ne me voulais pas de ce qui se passait chez lui. Je m'en foutais, quoi, je m'en doutais, mais bon... Ces derniers temps, le suspect se fait apparemment plus discret. Un policier du logo, assez haut gradé là-haut. Il revient de temps en temps, jeter un coup d'œil à l'appartement. D'accord. Le dernier coup, vous l'avez vu, vous, c'est quand ? Ben, j'ai entendu sa moto hier soir.
Vous n'avez pas vu un rayon espace ? Couleur violette comme ça. Non. L'homme ne roule pas en monospace, comme l'indiquait l'informateur, mais à moto. Et il était ici il y a quelques heures. Julien a peut-être une chance de l'apercevoir. Pour ça, une seule solution, planquer dans un endroit discret et attendre son retour. Alors les gendarmes s'installent dans cet appartement vacant avec l'accord du propriétaire. D'ici, ils ont une vue imprenable sur le bâtiment et les fenêtres du suspect. Les volets sont fermés. Hein. Il n'a pas l'air d'être souvent ici. Julien et Pascal se font discrets. Ils s'attendent à une enquête difficile avec ce suspect rompu aux techniques des policiers et des gendarmes. C'est quand même quelqu'un qui a été interpellé plusieurs fois. Ouais. Donc qui connaît un peu nos méthodes de travail. Donc logiquement, il devrait être beaucoup plus prudent. Après 3 heures d'attente, toujours rien. Mais les gendarmes n'ont pas le choix. Dans une enquête de stup, ces planques sont indispensables pour vérifier les tuyaux d'un indique. Donc la planque, c'est assez dur. C'est assez ingrat parfois parce que pendant des heures et des heures, il ne se passe rien. Mais si on ne le fait pas, eh ben, on ne peut pas matérialiser des contacts, des échanges ou un éventuel trafic. Hein. En fin d'après-midi, Julien lève le camp. Il reviendra ici à 3 reprises et ces planques lui apprennent au moins une chose. Le suspect le plus âgé circule à moto. À qui appartient donc le monospace évoqué par l'informateur? Peut-être au deuxième homme, le plus jeune. Pour le savoir, les gendarmes disposent d'un moyen de recherche rapide et très efficace. Retour à la brigade. Cet outil, c'est un logiciel. Le système d'immatriculation des véhicules, le SIV. Un accès direct au fichier des cartes grises. On va voir si j'ai quelque chose d'intéressant. L'enquêteur entre le nom du suspect le plus jeune et il tombe sur une liste d'homonymes. Il lui suffit ensuite de rechercher le propriétaire d'une Renault Espace. Et très vite. Voilà. Renault Espace. Ok. Ça, c'est intéressant. Et effectivement, je vois que c'est porté acquéreur du véhicule il y a de ça 3 mois. L'homme possède bien ce type de véhicule et l'adresse d'immatriculation est bien celle indiquée par l'informateur. Julien est bon pour une nouvelle série de planques. Il va tenter de vérifier que les deux hommes opèrent bien ensemble et qu'ils trafiquent bien de l'héroïne. S'il veut pouvoir les interpeller, il va devoir prouver leur activité de dealer en photographiant notamment des transactions de drogue. Voilà pourquoi le lieutenant s'arme de ce puissant téléobjectif. Ce sont de longues, très longues planques qui commencent et vous allez le voir, l'enquête va basculer sur un tout petit détail inattendu, une découverte inespérée qui va s'avérer cruciale. Direction à un petit village discret, perdu en pleine campagne, à 20 km de Nancy. Pas vraiment l'endroit où l'on s'attend à croiser un trafiquant d'héroïne. En plein cœur de ce paisible bourg, Julien repère la maison du jeune homme. Priorité pour le gendarme, ne pas être repéré. Alors pas question de stationner devant. Il fait le tour du pâté de maison. Attention, droite. Hein. Et au détour d'une rue, il tombe par hasard sur une Renault Espace. Peut-être celle qui l'intéresse. Il la suit discrètement, à distance, et une fois sorti du village, il se rapproche pour vérifier le numéro de la plaque qui correspond.
Ah, c'est bon. A priori, il y a deux personnes dans le véhicule. Julien veut s'assurer que ce sont bien les deux hommes qu'il a dans le collimateur. Mais pas facile de voir leur visage sans être vu. Bah déjà, tu vois, il faut pas que je colle de trop près. À la droite. Bon, on laisse intercaler un véhicule. Dommage, il s'intercale pas. À force de laisser de la distance entre lui et la voiture des suspects, Julien finit par la perdre de vue. Non, non, non. Et lui, il fait quoi, putain? C'est pas possible, ça. Il a doublé. Chier, putain, je suis baisé. Putain. On les aurait vus, là, non? Tu crois pas? L'enquêteur fait demi-tour. Prend l'autoroute et retrouve finalement la trace du véhicule. Sa filature le mène ensuite jusqu'à Nancy. Dans cette petite rue où la voiture vient de se garer. Julien va se mettre en planque juste en face, dans ce petit square, pour pouvoir identifier les deux hommes à leur retour. Et une heure plus tard, ils sont bien là, tous les deux, accompagnés d'un troisième homme. Cette voiture, ses suspects, Julien va les suivre pendant 2 semaines et il va découvrir que tout dans leur conduite, leur emploi du temps et leur rendez-vous a de quoi éveiller les soupçons. Ce matin-là, par exemple, la filature conduit Julien en plein cœur d'une cité dans la banlieue de Nancy. Les suspects restent garés sur ce parking une demi-heure. Ok, le véhicule repart. Puis reprennent la route. Quelle était la nature de ce déplacement ? Doucement ta cam, Steph. Allez, on va les suivre. Ok, ils sont partis, on va les suivre discrètement. Leur deuxième destination est encore plus suspecte. Après 1 heure de route, les deux hommes s'engagent sur le parking d'un hôtel bon marché. Le même genre d'établissement que celui où les gendarmes ont découvert les 2 kilos d'héroïne. Impossible pour Julien de s'approcher sans être repéré. Est-ce que j'ai pas une vue là-bas, il y a un chantier. En marche arrière, il cherche un lieu d'observation plus discret. Quand soudain... Ah, ils repartent. L'enquêteur aperçoit la Renault Espace qui redémarre. Et juste derrière elle, un jeune homme en scooter qui semble l'accompagner. En passant, le jeune homme remarque la caméra et jette au gendarme un regard appuyé. Alpha 617. 12h30-35. Julien relève sa plaque d'immatriculation. S'agit-il d'un complice ? L'enquêteur le sait, les réseaux de stupéfiants sont très structurés. Le jeune homme au scooter est peut-être un petit revendeur ou un guetteur chargé d'avertir de l'arrivée d'un intrus. Il est arrivé 5 minutes après que les gars soient arrivés. Donc je note. Julien se rend ensuite sur le parking de l'hôtel, qui est quasiment désert. Que sont venus faire ici les suspects et ce jeune en scooter ? Et les caméras. Encore une fois, l'enquêteur a peut-être une chance de le découvrir grâce à la vidéosurveillance. Donc la prochaine étape, c'est de prendre contact avec le gérant pour visionner les vidéos et pouvoir constater l'échange. Un échange, peut-être la première preuve d'une transaction de drogue. C'est en tout cas ce que Julien espère. De retour à la brigade,
il contacte aussitôt la direction de l'hôtel. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la gendarmerie. Je viens pour un petit renseignement. J'aurais besoin de visionner votre caméra. Oui. Est-ce qu'elle enregistre déjà? Non, il ne semble pas qu'elle enregistre. J'ai une caméra, mais je ne sais même pas si elle fonctionne. Il ne semble pas. Voilà. Merci madame. À tout de suite. Au revoir. L'hôtel n'a pas de vidéo. On n'a pas le système pour enregistrer les vidéos. Donc ils ont une caméra, mais qui ne fonctionne pas. Voilà. Espoir déçu, les caméras sont factices. Mais Julien peut encore exploiter la piste du scooter. En entrant le numéro de la plaque dans le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, il trouve le nom de son propriétaire et son adresse. On va passer le gars au fichier, voir s'il est connu pour stup. Il consulte ensuite les archives de la gendarmerie pour savoir si le jeune homme a déjà fait parler de lui. Apparemment, j'ai pas de gars connu. Le conducteur du scooter n'a pas d'antécédent, mais Julien reste convaincu que cette rencontre discrète sur un parking d'hôtel désert cache en réalité une transaction de stupéfiants. Alors dans les stupes, pour éviter de se faire repérer, on utilise soit des mineurs, et le trafiquant peut aussi utiliser des gens qui ne sont pas connus, ou utiliser le véhicule, justement, d'autres personnes. Le but étant de ne pas se faire repérer, de ne pas faire parler d'eux. Donc là, c'est pas étonnant qu'on tombe sur un individu qui n'est pas connu. Mais comment pénétrer ce mystérieux réseau? C'est toujours la seule piste de Julien pour résoudre l'énigme des 2 kilos d'héroïne retrouvés en pleine nature. Les filatures n'ont pas permis de prouver la moindre transaction, alors dans ce genre de cas, l'idéal pour les gendarmes, c'est de pouvoir placer les suspects sur écoute téléphonique. Une méthode redoutable pour percer leur intimité sans se faire remarquer. Le problème, c'est que les dealers sont prudents, ils changent de numéro très souvent, et dans cette affaire, l'indic a livré de nombreux renseignements, mais aucun téléphone. Alors vous allez le voir, c'est la ténacité de Julien qui va lui permettre de débloquer la situation. Pendant 2 semaines, il va suivre les suspects à la trace dans chacun de leurs déplacements, de jour comme de nuit, sans lâcher d'une semelle la fameuse Renault Espace. C'est à gauche là, regarde, t'as le véhicule qui est à gauche là, juste à gauche là. Et la chance va finalement lui sourire. Ce matin-là, dans le village du suspect le plus jeune, il va assister à une petite scène apparemment anodine qui va brutalement accélérer son enquête. Au bout de cette rue, il tombe nez à nez avec l'individu en train de téléphoner devant chez lui. Ok, il a acheté un truc. Et il repart. Sans le savoir, le dealer présumé vient de commettre une grosse erreur. Ok, il est reparti. Je vais voir ce qu'il a acheté. À son retour, Julien tient dans la main la clé de son affaire. Ok, j'ai récupéré ce qu'il avait acheté. Ça, c'est super, c'est un coupon de rechargement de téléphone portable. Ce que le lieutenant vient de récupérer dans la poubelle, c'est la facture d'une carte de téléphone prépayée. Ces cartes permettent de téléphoner pour une durée limitée en ouvrant une ligne de manière totalement anonyme, ce qui complique le travail des enquêteurs. Dans le domaine des stupéfiants, ils utilisent souvent des cartes prépayées où ils ne communiquent pas leur identité. Donc du coup, on ne peut pas remonter à eux. Et bien souvent, ils changent tous les 15 jours. Mais cette fois, cette technique ne protégera pas le suspect. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir identifier le numéro d'appel du gars. Sur ce coupon, des codes et des références. Pas de numéro de téléphone, mais suffisamment d'informations pour retrouver celui du suspect le plus jeune. Voilà pourquoi, de retour à la brigade, Julien est aussi fier
de présenter sa trouvaille à ses collègues. Ouais, Pascal. Bon. Alors, c'est quand même assez intéressant. Il y a un des gars qui a pris son téléphone portable, qui a composé ce code, vraisemblablement, ouais, et qui a ensuite jeté ce document dans la poubelle. On a un code de rechargement, on a un numéro de série. Donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour obtenir auprès du ministre l'identification du téléphone qui a fait l'objet du rechargement. C'est donc une nouvelle phase de l'enquête qui commence. Une phase décisive que les gendarmes appellent l'exploitation de la téléphonie. Avec un simple numéro, ils peuvent tout savoir ou presque sur l'emploi du temps, les relations et les activités cachées d'un suspect. Julien va peut-être enfin découvrir ce qui se cache derrière les nombreux déplacements du fameux monospace qu'il suit depuis maintenant plusieurs semaines. Quelques heures plus tard, il contacte par fax l'opérateur qui a vendu au suspect cette carte prépayée. Avec ce commentaire, merci de bien vouloir identifier le numéro d'appel. Julien indique les codes et les références du document trouvé dans la poubelle. Pour lui, il y a urgence. Le dealer présumé peut changer de numéro d'une minute à l'autre. Alors Julien ne va pas se contenter d'attendre la réponse. Dans la foulée, il passe un petit coup de fil à l'opérateur, histoire de lui mettre la pression. Mais encore faut-il qu'il arrive à le joindre. Un conseiller va bientôt prendre votre appel. Non mais c'est pas possible. Ça marche pas leur truc là. Oui, bonjour madame. C'est une fois en contact avec une opératrice, Julien va lui faire un petit numéro de charme pour les besoins de l'enquête. Oui, il y avait une urgence parce qu'on est sur des gars qui changent très souvent de téléphone portable. Donc si on prend du retard sur l'identification, bah après on est. Ok, ouais. Alors attendez, je vais regarder si on va avoir une réponse en direct. Ouais, donc on a bien quelqu'un. D'accord. Bah écoutez, je demande d'envoyer... Ouais, ça m'aiderait vraiment si je pouvais l'avoir fin de matinée, début d'après-midi. Dès que j'ai la personne qui est là, du coup, je lui demande qu'elle la fasse, il n'y a pas de soucis. Très bien. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors... En fin d'après-midi, l'enquête fait un bond de géant. On a pu identifier le numéro d'appel. Un numéro de téléphone, une information capitale pour les gendarmes. Julien disposera bientôt d'une oreille branchée en permanence sur cette ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une écoute sur le numéro d'appel. Le but vraiment, c'est de prouver qu'il est en contact avec des gens bien connus dans le domaine des stupéfiants. Une écoute téléphonique. Par réquisition, Julien oblige cet opérateur à brancher la gendarmerie de Nancy sur la ligne du suspect, pour pouvoir le surveiller. Désormais, toutes ces conversations et ces messages atterrissent dans ce petit bureau de la brigade. Ils sont enregistrés en temps réel dans la mémoire de cet ordinateur. De cette manière, Julien peut entrer dans la vie du dealer présumé aussi souvent qu'il le veut. Et dès les premiers appels, il trouve ce qu'il recherche. Ouais. Là, j'arrive à t'entends. Ok. Parce que du coup, faut absolument que tu descends en bas ou sinon, ce qui se passe, c'est que t'es pas là, on joue à la corde, c'est qu'on joue à la cuisine à champagne, et ça se passe après. Ah, donc là, il a fait une livraison express. Ça marche, ouais. C'est peut-être moi un bon truc, hein. Ouais. C'est pourquoi ? Ben, un blanc et un brun. Ouais, c'est ça qui. Ouais, c'est bon, j'ai déjà préparé. Un sac, tu me dis. Ouais. Ok. Un de blanc. Dans le jargon des toxicomanes, ça veut dire un gramme de cocaïne. Un de brun, un gramme d'héroïne. Ça confirme, je veux dire, ce qu'on pensait, déjà. Donc à savoir que là, il y a un gars qui l'appelle pour s'approvisionner. Donc il y a un gars qui lui demande s'il peut lui faire un petit truc. Et des coups de fil comme celui-ci, les deux suspects vont en recevoir des dizaines chaque jour. Voilà donc pourquoi leur véhicule se déplace aussi souvent.
mais ces derniers jours, ces dealers présumés ont, semble-t-il, du mal à fournir. Le plus âgé d'entre eux est violemment pris à partie par un client furieux qui l'accuse de lui avoir fourgué une drogue de mauvaise qualité. C'est quoi le délire là, que tu me racontes là? Vous m'avez donné une carotte et voilà. Ta gueule, mais c'est délire. Tu sais quoi? Non, c'est très bien, arrête de continuer. Là. Attends, laisse-moi parler. Tu l'as mélangé, hein. T'as pas marché du tout. Quand il est mélangé, c'est bien ce qu'on disait. Pour se défendre, les dealers présumés vont même jusqu'à accuser leur propre fournisseur de les arnaquer. Parce qu'il paraît qu'il va mettre des amphétamines, je sais pas quoi, à la place. C'est du médicament qu'il a mis dedans, c'est même pas des amphètes. Ah bah j'en sais rien, c'est... Ils ont recoupé... Un peu... Moi ce que je vois, c'est que j'ai pris une bite et je vais en récupérer des sous. S'il faut que j'aille à la soupe là-bas, eh ben on ira là-bas. Bah, apparemment, ils lui ont vendu de la merde. Hein. Ouais. Bah, ils ont coupé. Avec ces écoutes, les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour arrêter ces deux suspects. Mais ils vont patienter encore un peu, car ils ont une petite idée derrière la tête. Si ces dealers présumés manquent de drogue, qu'ils sont obligés de couper leurs marchandises, c'est peut-être parce qu'ils viennent d'égarer un stock de stupéfiants dans la nature. Et pourquoi pas les 2 kilos d'héroïne retrouvés près de l'hôtel il y a un mois. La conversation tournera peut-être bientôt autour de ce sujet. 2 jours plus tard, la patience de Julien va être récompensée. Rien sur l'héroïne tombée du ciel. En revanche, il surprend une conversation énigmatique où il est question d'un voyage en préparation et d'une collecte de fonds. Un autre message. Allô. Hein? C'est Phil? Ouais, c'est donc. Ouais, bah oui, j'essaie. Je prends pas plus de sport, tu me lances même un petit billet, t'inquiète pas. Ouais, je verrai bien, si j'ai ma paye soir, ouais, je verrai bien. Parce que nous, on monte au pays, c'est pour ça que je sais que c'est ça. Les 2 dealers présumés évoquent un voyage au pays, prévu dans 2 jours. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, Julien va chercher à identifier tous les correspondants de ses suspects. Encore une fois, il contacte l'opérateur et cette fois, il lui réclame les fadettes, les facturations détaillées, la liste de tous les appels entrant et sortant sur ce numéro au cours des 3 derniers mois. J'ai près de 5000 lignes de communication. Et certains de ses correspondants attirent immédiatement son œil avisé. Et j'ai un point qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai un contact hollandais qui apparaît pendant 3 mois à 75 reprises. Un correspondant aux Pays-Bas, la plaque tournante de la drogue en Europe. Pour Julien, aucun doute, voilà la destination du fameux voyage au pays. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est forcément un gars qui les ravitaille en produit. Et l'enquêteur n'est pas au bout de ses surprises, car les fadettes indiquent aussi des adresses. Les emplacements des antennes relais. Ces bornes qui ont transmis les appels téléphoniques. Les gendarmes peuvent donc retrouver chaque déplacement des suspects. Et Julien va s'apercevoir que les dealers présumés fréquentent assidûment les Pays-Bas. J'ai 15 relais hollandais déclenchés, donc ça c'est vraiment intéressant. Je sais que le titulaire du numéro d'appel bouge en Belgique et aux Pays-Bas. Les fadettes sont formelles. Chacun de ces voyages atterrit à Rotterdam. Et grâce aux antennes relais, Julien peut retracer la route empruntée par les dealers présumés. Alors dans ce genre de cas, les gendarmes tentent de prendre les suspects la main dans le sac, en possession de drogue. Un flagrant délit qui pèsera lourd devant un tribunal. À partir de maintenant, toute la brigade est en alerte et prépare activement un vaste coup de filet. Grâce au relais téléphonique, ce qu'on a pu voir la dernière fois, c'est qu'ils ont eu un rendez-vous au pays vers minuit à peu près, à Rotterdam Sud. Ensuite, ils sont descendus. Il y a un rond-point, je sais, qu'ils empruntent, c'est le rond-point à Solgne, c'est ça? Cheval Blanc. Il est clair qu'ils prennent les petites routes pour échapper au contrôle. Donc on peut supposer quand même qu'ils vont repasser par là. Julien a remarqué que les suspects empruntaient à chaque voyage le même rond-point. C'est donc là qu'il va tenter de les cueillir à leur retour des Pays-Bas dans 48 heures.
L'endroit est en rase campagne, idéal pour limiter la casse si l'opération tourne mal. Dans un coin de sa tête, l'enquêteur caresse l'espoir d'éclaircir enfin le mystère des 2 kilos d'héroïne retrouvés au pied d'un hôtel au début de l'enquête. On a découvert, il y a un mois, un sac d'1,6 kg d'héroïne près de... Dans le milieu, des fois, ça peut savoir. Il peut y avoir des renseignements où ils ont pu entendre parler de ça. Donc, vous leur posez la question de savoir si ils savent d'où ça peut provenir. D'accord ? Ça marche ? Et on se voit dans un quart d'heure ? Après plus d'un mois d'investigation, l'intervention est imminente. Dans 2 jours, une 30aine de gendarmes seront mobilisés pour cette opération risquée. Interpeller les 2 hommes à bord de leur monospace et en plein milieu du trafic routier. Comme souvent dans ce genre de cas, rien ne va se passer comme prévu. Le jour J, tout semble pourtant bien parti. En début d'après-midi, les suspects téléphonent à leur correspondant hollandais et confirment leur départ pour Rotterdam. J'arrive 19h30, 20h. 22h. On est à Dresde. De quoi ? On est à Dresde. Diamond Steinberg. L'adresse ? Ouais, tu connais ? Ouais, je connais, ouais, c'est bon. Ok, appelle-moi. Attends, mais si moi viens. Attention, beaucoup rabatteur, ça. Attention, beaucoup police, beaucoup rabatteur, attention. Ok, ça marche. Ok, appelle-moi. Ok, c'est gentil, à tout à l'heure. Le signal que Julien attendait. Ok, là, il vient de partir. Les gars, ils viennent partir. Arrivée Rotterdam, 19h30, 20h. Donc chez nous, il faut caler 5-6 heures en plus, entre 2 et 3 heures du mat. Ça marche ? Selon les calculs de l'enquêteur, si les 2 suspects se mettent en route, ils devraient être de retour vers 3 heures du matin. À minuit, c'est donc le branle-bas de combat. Des spécialistes des interpellations musclées sont venus prêter main forte. Les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Et tous s'attendent au pire. Le plus âgé des dealers présumés a déjà été interpellé avec une arme par le passé. Pour toutes les équipes d'intervention, par balle. D'accord ? On va pas leur tirer dessus. Hein, sauf si vraiment en cas d'égide défense. Uniquement ça. On va sur place. Vers 1h du matin, 2 heures avant le retour prévu des suspects, les gendarmes se déploient. Ce collègue de Julien, lui, reste à Nancy et garde une oreille attentive sur les écoutes téléphoniques, histoire de prévenir tout changement de programme de dernière minute. Pour les autres, direction le fameux rond-point où ils vont tendre un piège aux 2 suspects. En pleine nuit, les hommes du PSIG prennent position. Et vous allez le voir, ils ont tout prévu. Si le monospace tente de rebrousser chemin en les voyant, ils couperont sa retraite à l'aide d'une herse télescopique. Jetée sous les roues d'un véhicule, elle en crève instantanément les pneus. Là, on prépositionne la herse, hein, au cas où on doit la mettre en œuvre. C'est pas très long. Moi, j'ai compté une dizaine de mètres. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Et elle couvre toute la route. Voilà, il y a suffisamment pour s'arrêter, ouais. Mais le mec... Entre là, ça va faire chier. Ouais, le mec, il risque d'être surpris quand même. Hein. Bah, s'ils vont arriver vite, hein. Tranquille, effectivement, c'est bon. De son côté, Julien est concentré. Il aura un rôle central dans cette opération. C'est lui qui va prévenir de l'arrivée des 2 suspects. Pour ça, il s'installe 5 km en amont, sur cet autre rond-point. D'ici, il va discrètement guetter le passage du monospace, qu'il connaît maintenant si bien. Par contre, on va couper les lumières. On va les voir arriver par la droite, ils vont partir par la gauche. Normalement, on devrait être pas mal. La souricière est en place et l'enquêteur est confiant. On a toutes les équipes qui sont en place. Donc maintenant, on n'attend plus qu'un retour
désintéressé. Franchement, de là-bas, ils peuvent pas nous voir. C'est impossible. Impossible. Mais voilà, l'attente se révèle interminable. Toujours pas le moindre monospace à 6h moins le quart. D'ordinaire, les suspects ne s'attardent jamais aussi longtemps aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Attends, je vais foutre le contact avec le chauffage sur les pieds, parce qu'on revient crever, là. La température, comme le moral, sont au plus bas. Et alors que la nuit touche à sa fin, Julien commence sérieusement à douter. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Imprévisible jusqu'au bout. Oh là là, c'est insupportable. Les suspects auraient-ils changé d'itinéraire? L'enquêteur contacte son collègue resté au bureau et qui surveille les écoutes téléphoniques. Est-ce qu'on a des communications ou pas? Pas de message? Ça, c'est bizarre quand même. A plus. Donc toujours rien. Il faut être patient. Faut attendre. C'est une vertu, la patience. 7h, 8h, le soleil est désormais levé depuis longtemps et toujours pas de voiture à l'horizon. Le flash info du matin, Julien tue le temps comme il peut. Et il tient régulièrement informé les gendarmes du PSIG qui, à l'autre rond-point, commencent à trouver le temps long. Oh, punaise. D'autant que l'opération devient plus délicate avec le trafic qui augmente. Nous, on va revoir le dispositif, hein, on est en train d'en discuter. Trop de circulation. Hein. Le carrefour, ça roule, de trop. Donc on va faire un contrôle routier normal, quoi. Mais là, il y a trop de circulation, on ne peut pas bloquer le carrefour. Allez, à plus. Malgré tous ces imprévus et le manque de sommeil, Julien veut encore y croire. On sait qu'on arrive au bout, donc fatigue ou pas, on tient parce que le but, c'est vraiment d'interpeller les deux individus et puis de trouver de la matière. Et le lieutenant a raison d'être confiant. Soudain, avec plus de 5 heures de retard, le monospace traverse le rond-point juste sous son nez. Julien démarre en trombe. Ouais, véhicule pris en charge. Et il prévient ses collègues. Ouais, on filoche le véhicule. A plus. Voilà, pour l'instant, on est pas mal. Il conduit prudemment. Donc, il va s'agir de voir. Il va s'agir de voir maintenant si il change pas d'itinéraire. Pour être plus discret, l'enquêteur laisse une voiture entre lui et le monospace. Quand c'est possible. Oh, putain, il se marre. Julien reste sur ses gardes. Les deux suspects chercheront peut-être à défendre leurs marchandises. Au même moment, les hommes du PSIG mettent en place un faux contrôle routier pour les intercepter. Ils sont là dans... Allez, en 5-7 minutes, quoi. En quelques secondes, le comité d'accueil est en place. La voiture fonce tout droit dans le piège et Julien ne la lâche pas d'une semelle. Ouais, Jean-Charles. Non, on a passé la sortie Mecleuve-Orny, donc je pense que d'ici 2-3 minutes, on va être sur vous, là. Tu verras, il y a un camion blanc qui est devant, un poids lourd blanc qui est devant. Il y a un poids lourd blanc devant. Cette fois, tout se présente bien. Mais pendant un court instant, le véhicule disparaît derrière cette butte. Et quand l'enquêteur arrive à sa hauteur, mauvaise surprise, il est arrêté sur le bas-côté. Julien se retrouve dans la pire des situations. Bonjour monsieur, gendarmerie. Il est tout seul pour interpeller les deux hommes. Vous pouvez couper contact s'il vous plaît? Vous posez les mains sur le volant? Vous restez là, vous bougez pas. Les suspects ont peut-être repéré les gendarmes. Ils se sont en tout cas arrêtés net. Et depuis le rond-point, l'autre équipe ne se rend compte de rien. Ce poids lourd masque la scène. Lorsque les collègues de Julien réalisent enfin la situation, ils se lancent à sa rescousse.
Tes mains sur le volant, tes mains sur le volant. Le volant, mets ta tête sur le volant aussi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, derrière toi. Pousse-toi. Les deux suspects n'opposent aucune résistance. Ils sont interpellés. Le plus âgé d'abord, il est connu pour port d'armes illégales. Ouvre la main. Le plus jeune ensuite. Doucement, c'est bon, je me laisse faire, je vous dis. Tous deux clament leur innocence. Est-ce que vous avez une substance illicite sur vous, monsieur? Vous voulez l'assister d'un avocat? Vous n'avez rien de... Non, monsieur. D'interdit sur vous? Non, monsieur. Non. Pas de drogue sur eux. Et lorsque Julien évoque leur voyage aux Pays-Bas, voilà leur explication. Tu as fait quoi là-bas? Vous n'avez pas joué au Scrabble là-bas? Non, bah non, bien sûr. Non, on a été dans un appart, on a acheté un peu de coke, un peu de cam, machin, on s'est posé dans l'appart du mec. Je sais pas, comme tout. Vous venez de si loin pour 2-3 grammes? Oui. Ah, mais c'est vrai en plus, c'est pour ça que je comprends pas. Les suspects auraient consommé quelques grammes de cocaïne aux Pays-Bas et n'auraient rien rapporté en France. Une version qui ne convainc pas les gendarmes, alors encore une fois, ils font appel à la plus fine truffe de la brigade, Bandi, le chien anti-drogue. Sous les yeux des dealers présumés, l'animal inspecte le véhicule dans ses moindres recoins. Vide poche, coffre et bagages. Mais il ne déniche pas la moindre trace de substances illicites. Et scène surréaliste, l'un des deux suspects se moque ouvertement de ses compétences. Ah, il est mauvais le chien là. Ça c'est un mauvais chien. Le maître chien est même obligé de prendre sa défense. Le seul problème qu'il y a, s'il y a de la matière mais qu'elle est emballée, cellophane. De temps que l'odeur du produit traverse les différentes couches de cellophane, le chien ne peut pas la prendre. Il y a du produit mais l'odeur n'est pas là, donc le chien ne peut pas la prendre. La drogue est peut-être trop bien cachée. Alors les gendarmes procéderont à une fouille plus approfondie du monospace dans les ateliers de la brigade. Je pense qu'on va l'examiner de très près, voir le démonter, voir faire appel aussi à un fonctionnaire des douanes qui connaît particulièrement bien les caches. Mais en attendant, il y a un endroit que Julien est pressé de perquisitionner. La petite maison, au cœur d'un paisible village, devant laquelle le lieutenant a planqué pendant plusieurs semaines. Il espère y découvrir les preuves matérielles d'un trafic de drogue. Et il ne va pas être déçu. Le bâtiment est un véritable musée du stupéfiant. Ça commence dès l'entrée, avec, en guise de plante verte, ce plant de cannabis. Ça, c'est du champ, parce que vous savez où j'ai récupéré les graines? Entre Dans le salon, les gendarmes découvrent ensuite l'attirail d'un gros consommateur d'herbes et de cannabis. Et un peu plus loin, les accessoires indispensables pour des drogues beaucoup plus dures. Des seringues par centaines. Aux quatre coins de la maison. Par jour, vous êtes à combien de fixes de seringues par jour, Un pour deux. Ouais. Ça peut aller 3-4. Jusqu'à 4 injections d'héroïne par jour. Les deux dealers présumés sont avant tout des toxicomanes, totalement dépendants. Bibelots, accessoires et même articles de journaux, tout ici est consacré à la drogue. Mais les gendarmes vont-ils retrouver des stupéfiants? Pour éviter que son animal se blesse, le maître chien veille d'abord à récupérer les seringues. Les seringues, il n'y en a pas qui traînent ailleurs? Si. Dans la chambre à côté, il n'y en a pas? Non. Ah, c'est que ici, salon cuisine. Ouais, j'ai pris les seringues, mais je vais rechercher. Bandi peut ensuite passer à l'action. Avant même ses premiers pas dans la maison, il se montre très excité.
ici, la drogue a sans doute imprégné le moindre mètre carré. Le chien repère immédiatement l'endroit où étaient stockées les seringues. Mais il ne retrouve pas d'héroïne, ni aucun autre stupéfiant. Et pourtant, rien qu'en fouillant les placards de la cuisine, les gendarmes découvrent toute la panoplie du parfait dealer. Comme cette petite balance. C'est ce que vous avez trouvé ? C'était posé là, ça sert à peser le stupéfiant. Non. Ou encore ces canettes trafiquées pour cacher la drogue. C'est quoi ça ? Ça là. Ah, c'est rien du tout. C'est-à-dire rien du tout ? Je sais pas, c'est bien. Ouais, d'accord, c'est une cache quoi. À quoi ça sert de faire des caches comme ça ? Tu sais, c'est pour la douane. On met ça dans le pack de oui, caches. Et il y a un ballon d'eau avec un peu d'eau dedans. Julien découvre des cartes téléphoniques prépayées, comme celles qui avaient tant compliqué son enquête. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de cartes SIM différentes. Donc, comme on supposait, c'est des gens qui aiment bien ne pas être identifiés quand ils appellent. Voilà. Cette perquisition renforce en tout cas sa conviction. De tels toxicomanes ne sont sans doute pas allés aux Pays-Bas uniquement pour consommer des stupéfiants. Et s'ils ont rapporté un stock de drogue en France, où a-t-il bien pu passer ? Il n'est pas sûr qu'ils aient pu le jeter, ou alors qu'ils aient pu le dissimuler dans le véhicule. Donc au niveau des gardes à vue, on espère que ça va parler un petit peu. On espère que les gens vont commencer à parler, à nous dire des choses. Faire parler les suspects, c'est tout l'enjeu de ces gardes à vue qui commencent. En matière de stupéfiants, elles peuvent durer 4 jours. 4 jours pour résoudre 2 énigmes. Les suspects ont-ils, oui ou non, acheté de la drogue aux Pays-Bas ? Et ont-ils quelque chose à voir avec la première affaire de Julien ? Les 2 kilos d'héroïne, retrouvés devant un hôtel, il y a maintenant plus d'un mois. Dès le début de leur garde à vue, les 2 suspects sont séparés pour éviter qu'ils ne communiquent. Les gendarmes vont guetter la moindre différence dans leurs 2 récits. Et pour Julien, ça commence mal. Ils racontent tous les 2 la même histoire et campent sur leur position. Ils n'ont rien rapporté en France et sont allés aux Pays-Bas juste pour consommer de la drogue. Ouais, un gramme chacun. De quoi ? De mains, de bois, quoi. Ensuite, on est revenu. Non, mais rien, je sais pas, il est passé bon, là. Il a consommé tout. Pour moi, il n'y a rien dans la voiture, hein. Non. Non, bah la voiture, elle est retournée, j'y... Non, la voiture, je pense que j'ai tout consommé, quoi. Je pense que nous avons tout consommé. Il n'y aurait pas de drogue dans la voiture, et les suspects font bien comprendre aux gendarmes qu'ils n'ont pas l'intention de coopérer. Je veux savoir ce qui s'est passé réellement hier jusqu'au moment du contrôle de ce matin. Maintenant, il faut quand même qu'on s'explique, quoi. Qui nous a dit que... Les questions, c'est moi qui les pose. Vous les mettez au placard, on y va directement, puis voilà, ça, comme ça. Julien, lui, reste convaincu que les 2 hommes cachent la vérité. Effectivement, c'est incompréhensible. On peut difficilement comprendre le fait qu'ils sont montés à Rotterdam et qu'il n'y a rien dans le véhicule. Forcément, j'ai quelque chose. Ou alors ils se cachent, c'est pas possible autrement. Faute de drogue saisie au cours de l'opération, les gendarmes peuvent en tout cas recueillir des témoignages accablants. Ceux des dizaines de clients identifiés grâce à leur numéro lors des écoutes téléphoniques. Ils sont immédiatement convoqués. En théorie, ils risquent jusqu'à 1 an de prison, mais sont rarement condamnés. Les enquêteurs ont besoin d'eux pour démontrer le trafic de drogue organisé par les suspects. C'est quoi les prix ? Ça dépendait, quoi. C'était de la pure, il a fait des 50 balles. Le gramme d'héro. La coke, c'était 100 euros. Ben ouais, c'est une que j'ai rencontré dehors dans la rue et... Sur une période de 6 mois, j'ai pris 10 grammes d'héroïne. Ouais, à peu près, et 1 gramme de coke, quoi. Et 1 gramme de coke. Ouais. Moi, ça fait... je sais pas, on a un an et demi, je les ai appelés peut-être 5-6 fois, pas en plus.
Tous admettent avoir acheté de l'héroïne ou de la cocaïne aux deux suspects, qui se rendaient manifestement très souvent aux Pays-Bas. Vous savez qu'ils vont de temps en temps au pays ? Est-ce qu'à tout hasard, ça t'est déjà arrivé de lui donner de l'argent pour qu'il en récupère pour toi ? Une fois. Ils vous ont proposé d'investir des sous avec eux pour un voyage ? Je sais pas, mais même juste à des sous. Voilà, ça me reviendrait moins cher, mais non pas. Assez de témoignages pour envoyer les deux dealers présumés devant un tribunal. Mais Julien, lui, ne veut pas s'arrêter là. Il veut retrouver la drogue. L'enquêteur est convaincu qu'elle est cachée quelque part, dans la voiture ou ailleurs. Et il le sait, le temps est son meilleur allié. Après une nuit en cellule, ces deux toxicomanes seront sans doute en manque et coopéreront peut-être plus facilement. Laisse-le dormir. Bon, allez, bon, ça. Et en effet, le lendemain matin, le changement de ton est radical. J'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Chaussures. Hein, je suis pas d'humeur à jouer aujourd'hui. Le plus âgé des deux suspects n'a plus envie de jouer. Sans doute en manque, il a manifestement mal dormi et semble pressé de se mettre à table. Un chili con carne en guise de petit déjeuner. Et immédiatement après, les premiers aveux. Après, tu comprends bien que la garde à vue, c'est pas une mesure qui fait. Vas-y, je dis tout. Ah, ça va, c'est demain que vous mettez l'eau. Je te laisse avec. On y va. Le suspect se montre plus bavard dans l'espoir d'abréger sa garde à vue. Alors. Tu vas prendre des cendres au garage, après. Au garage. Au garage, il y a la voiture. Pour. Chercher le matos. Il est où ? Bah, je te le dirai tout à l'heure. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça marche. Julien avait raison. La drogue est bien dans la voiture. Et elle provient bien des Pays-Bas. Ah, je t'écoute. Je monte chercher au pays des stupéfiants. Parce qu'ils sont des... Attends, je vais te noter. Je monte chercher. Les produits stupéfiants au pays. Que ça soit héroïne comme cocaïne. Parce que c'est des produits d'une très bonne qualité. Alors, où est cachée cette drogue ? Pour le savoir, direction le garage de la caserne. Laisse ton pull sur la chaise, là. Le suspect a beaucoup de mal à garder l'équilibre. Ça va aller, là. Tu vas pas tomber. Affaibli par le manque de drogue. Allez, viens. Allez. Son complice présumé, propriétaire de la voiture, le retrouve pour assister à la fouille. Et c'est lui qui va craquer le premier. C'est le bon côté, c'est pas le bon côté. Oui, c'est pas le bon côté. Viens, on va de l'autre côté. Il va indiquer aux gendarmes l'ingénieuse cachette où la drogue est dissimulée. C'est ça, là ? Attendez, j'avance aussi. Regarde comment c'est fait, là. Voilà, d'accord, ok. Sur la ceinture. Dans le montant de la portière, derrière ce cache en plastique, l'enrouleur de la ceinture de sécurité. Un endroit auquel les gendarmes n'avaient pas pensé et que le chien anti-drogue n'avait pas détecté. C'est là que les gendarmes découvrent un petit sachet soigneusement emballé dans du cellophane. Attends, on va peser maintenant. Ils s'attendaient sans doute à une plus grosse prise, ce qui amuse beaucoup l'un des suspects. Ah bon, c'était ça ? Ouais, c'est ça. Alors qu'y a-t-il de si précieux dans ce petit pochon en plastique pour qu'il le cache avec autant de soin ? Tu te dis, il y a 8 grammes de coke et il y a 18 grammes de cam, c'est tout. Quelques grammes de cocaïne et d'héroïne, mais pas n'importe lesquelles. La drogue n'a pas encore été coupée, elle est quasiment pure. Les gendarmes commencent par peser la cocaïne. Et ça c'est la 6. Et la 6, il doit avoir 8 grammes. Et là, c'est de la pure, là. 10 grammes de cocaïne pure. Environ 1 000 euros à la revente.
C'est quoi? L'héroïne. C'est combien? L'héroïne. 21 grammes de poudre brune. De l'héroïne pure, qui une fois largement coupée, se transformera en 250 grammes, valeur marchande, environ 5000 euros. Un durci, c'est la coupe. Ça, c'est la coupe. Pour les deux suspects en manque, la simple vue de ces drogues de premier choix est un vrai supplice. Le plus âgé propose même à Julien de lui faire une démonstration. Va chercher une cuillère, je vais te montrer. Va chercher une cuillère. Non, mais je te fais confiance. Non. T'en prends tous les jours, là. Je ne crois pas. Va chercher une cuillère. Mais Julien, lui, a une autre idée en tête. Ce suspect a l'air de vouloir coopérer. Alors il va peut-être avouer son implication dans une autre affaire. Les fameux 2 kilos d'héroïne retrouvés il y a plus d'un mois près d'un hôtel de la région. Il s'agit d'un autre dossier. Les gendarmes ne peuvent pas inclure ces déclarations dans la procédure. Je ne le note pas. Ça, c'est vraiment un truc entre nous. Tout à l'heure, on parlait de bonne foi et tout ça. Je ne le note pas. Il n'y aura jamais ton nom qui transpire nulle part et tout. Je veux juste savoir ce que c'est cette histoire. Et alors, tu sais quoi exactement là-dessus? Le suspect affirme que cette affaire ne le concerne pas. La drogue ne serait pas à lui et il ne serait au courant de rien. Ah, d'accord. Okay. Mais en grattant un peu... C'est quoi que tu sais là-dessus? Je le note pas, c'est juste pour ça. Bah, t'as entendu quoi de qui? Rien, dans le milieu, ils ont parlé comme ça, mais je sais plus bien exactement. J'ai pas dans les connes. Bah, on note pas, c'est juste pour moi savoir. Non, mais je te dis... C'est quoi que t'as appris là-dessus? Bah, j'ai appris que, je sais pas, il y a des mecs qui ont tapé 2 kilos à d'autres et... C'est quoi, c'est un mec qui revendait, qui s'est fait soulager? C'est top, ils ont gratté, c'est tout. Un dealer de Nancy se serait donc fait dévaliser par des toxicomanes. C'est des gars qui sont d'où? Nancy. Je pense bien que tu dois pas forcément les connaître. Nancy. C'est sur Nancy? Ouais. Et il va y avoir un règlement de compte? Il va y avoir quelque chose là-dessus ou quoi? Bah, si, mais pas là-dessus. D'accord, bon. Ça, c'était juste comme ça. On en discutait comme ça entre nous. Le suspect n'en dira pas plus. Son complice présumé affirmera ne rien savoir. Les deux hommes redoutent peut-être des représailles. Julien sait en tout cas que son enquête va encore durer plusieurs mois. Mais il est confiant, tôt ou tard, un renseignement tombera dans son oreille. C'est pas tous les jours qu'on perd ou qu'on se fait voler 2 kilos. Voilà, donc c'est une enquête qui suit son cours. Je pense qu'on sera amené à garder le dossier encore peut-être un an. Il faut vraiment qu'on gratte dessus, qu'on fasse marcher notre réseau, et puis il faut que ça sorte. Hein. Ça doit sortir, à forcément avoir une information, un renseignement qui pourra nous orienter. Julien percera-t-il un jour le mystère de l'héroïne tombée du ciel? En attendant, pour leur trafic entre les Pays-Bas et la France, les deux suspects sont présentés au procureur. Ils seront finalement laissés libres en attendant que la justice décide de leur sort. Pour importation, détention et vente de stupéfiants, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison.